Bonjour, bonsoir, c'est Kenshin9977 pour une nouvelle vidéo avec Pro X Légende. Allez, salut! Ouais, ta gueule. Et on va vous faire une vidéo sur le mode Turned qui est pourri ou qui est bien. En fait, je sais pas parce que j'ai pas encore joué, mais les gens y ont joué. Et du coup, ça va être une vidéo découverte vraiment, genre pour moi et pour vous. C'est comme ça, on est un peu en symbiose, en osmose, vous en branlez. Et alors. On va aussi vous parler du pack de map Révolution avec Diriz pendant la partie, optionnellement. Et puis, on va peut-être lancer la partie. Lance ta partie là. Lance ta partie. Plus vite. Vas-y, lance ta partie. Vas-y là. Je t'ai dit, allez, tu te fends ta canne à ta lance. Voilà. Ok. Ah mon dieu. Green. Le truc où les mecs ils pensaient qu'il y avait un chemin alternatif et une nouvelle NAF card et où ils prenaient des substances pour avoir des gorilles cosmiques. Ouais, je suis zombie. Ah, et moi aussi. Alors, le but. Est-ce que tu connais le but, Loulou, au moins? Alors, trouver l'antidote pour gagner un petit. J'ai... Apparemment. Et il faut défoncer le monsieur. Alors, apparemment, parce que c'est illimité. Il faut trouver l'antidote, donc c'est une bouteille en fait sur la map. Et dès qu'on l'aura trouvé, ça sera le premier gars qui la trouve, c'est l'humain en fait. Ah d'accord. Voilà, donc c'est une bouteille, hein, je crois. Voilà. Attends, il y a quelqu'un qui est zombie, enfin il y a quelqu'un qui est humain. Donc là on va devoir tout simplement. voilà. Ah d'accord, oui, ça me fait penser. Mais c'est archi flippant là, votre truc. C'est pas possible. T'as vu à la vitesse qu'ils vont. Je me suis fait pinhead. Ça fait penser au mode mastodonte là merde, comment ça s'appelle, Halo. J'y jouais souvent avec des potes, ça me faisait bien délirer. Mais c'est archi dur. Genre tu vas trop vite quoi. Ouais, t'as vu, c'est ça qui m'a choqué en fait la première fois que j'ai joué à ce mode de jeu. C'est que ça va super méga vite. T'as ouais. Pas forcément le temps entre deux armes. C'est je veux dire, tu changes là comme un jeu d'armes, tu vois. Mais t'as pas forcément le temps souvent de changer d'arme et de te faire et de tuer l'autre en fait. C'est un peu chaud. Mais ça reste assez drôle. Mais t'as vu comment ils courent les zombies, c'est dégueulasse quoi. Mais c'est pas possible, vas-y. Comment tu cours. C'est trop dégueulasse. Donc là, on peut avoir certains bonus. Oui, alors les bonus rouges, c'est les bonus que les zombies peuvent obtenir, si j'ai bien compris. Par exemple un x2 ça sert à quoi pour les zombies? Bah on gagne le double de points quand on tue apparemment, voilà. Et pareil pour... Enfin bref, je pense que tu m'as compris. Hein. Non. Oh les enfoirés. Exemple, non Max, Oh la... Non. C'est vachement dur quoi d'esquiver le truc. Ouais donc... je sais pas pourquoi des fois on a des minis sur Max, ça j'en ai aucune idée. T'as Ananas, il est en train de s'exciter sur le mini sur Max. tu peux avoir une bombe, quand t'es humain, tu vois, ça tue les zombies, hein, voilà. Une mort instantanée également, et une grenade singe aussi, que j'ai ramassé tout à l'heure, mais que j'ai pas pu lancer. Tiens, d'ailleurs, il a lancé... Ouais, la bombe. Et une bombe, voilà. Oh là là. Mais sinon, ouais, c'est un mode de jeu sympa, enfin, je sais pas ce que t'en penses, là, ta première impression. Ouais, ça a l'air plutôt marrant. Après, je sais pas, que mode de jeu entre les potes, je préfère ça à une partie zombie, parce que ça a l'air assez court. Alors qu'une partie zombie, putain, ça doit être long. Ça peut être long, en fait, surtout. Attends, on peut faire du moonwalk. Regarde, on peut faire du moonwalk, Lou, viens voir. Ouais, c'est ça. Attendez, les gars, le tuez pas. Vas-y, viens. Regarde, on va faire du moonwalk. Regarde. Voilà, Heidi. Non, mais c'est terrible, hein, quand même. Et je sais pas pourquoi ils ont mis les zombies aussi rapides, quoi. C'est vraiment... pour que ça paraisse marrant, quoi. Oh, je tapais un commando sur toi, c'est... Ah, mais grave, tu t'es téléporté. Pour moi, t'étais à perpète, hein, avant que tu me touches. Je vais me cacher derrière une voiture. Merde, j'aurais pas dû le dire. Non, oh, il y a des... Oh, regarde les enfoirés, comment ils arrivent comme des putes. Ah, mais c'est vachement dur, hein. Pour vous faire une idée un petit peu du gameplay, c'est... Enfin, pour ceux qui n'ont pas le pack, ceux qui sont sur PS3 ou sur Xbox et n'ont pas encore l'opportunité d'y jouer, c'est vachement dur quand vous êtes humain de résister. En fait, ils arrivent super vite sur vous. Et alors, l'humain apparaît pas forcément à l'opposé de là où se trouvent les zombies, c'est ça? Ouais, voilà. Il y a des bombes singes. Ouais, il y a une bombe singe. Après, je sais pas quel effet ça a sur nous, en fait. Ah, il doit y avoir pas mal de bonus. Il faudra que je regarde tous les bonus qu'il y a.
C'est un plaisir de décortiquer toute la map, à trouver la fonction binaire d'un éléphant rose. Ah, des munitions max. Ah ben non, mais je suis mort. Pourquoi je suis mort? Ah, je me suis fait choper en fait. En plus, ce qui est dommage, le jeu, c'est qu'on peut pas, sauter. Ah putain, putain. Mais vas-y là. En fait, je suis max. Je suis max pour les zombies. Tu mets 30 ans pour le chargeur de l'humain. Et donc ça le fait chier. Mais j'ai même pas le temps, j'ai même pas le temps de les esquiver, on se fait direct Pinhead. Ah, donc le but évidemment c'est d'être le premier au meilleur score quoi. Donc ça je pense que vous l'aurez compris. Vous voyez 715, 1150. Ah il a perdu des points Big. T'as vu, je sais pas si t'as vu. Parce que je lui ai volé un bonus je crois. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est... J'ai pris la bombe en fait, et ça l'a tué, et du coup je suis devenu humain. Ah d'accord. Bonjour. Ils sont en train de péter un câble dans le groupe d'amis là justement, parce que tout le monde arrive sur eux. Et sinon t'as vu l'animation est assez sympa hein, quand tu cours, etc. Ouais, c'est plutôt sympa. Mais dommage qu'on puisse pas sauter, moi je m'aurais fait un malin plaisir à faire des bombes singes. C'est bien parce que c'est bourrin. Et, ouais. Et franchement je préfère un mode de jeu bourrin, alors que le zombie c'est pas si bourrin que ça, tu vois, au fond. Ta Big, il est en train de, littéralement de craquer quand je le tue à chaque fois. C'est vrai qu'il devrait peut-être faire une mise à jour au niveau des changements d'armes. Je sais pas si t'as remarqué un petit peu, c'est assez... Non, oui. Ouais, tu crèves plus souvent à cause de ça que... Bonjour. D'autres choses. J'ai jamais le temps de faire plus de 2 kills. Parce que à chaque fois, c'est genre la troisième arme, c'est celle qui met le plus de temps à être sortie. Ah, il me s'est fait violer. À mort quand, moi, c'est 27, hein. Même en ligne, j'ai jamais su faire plus, hein, ce qui concerne le truc. C'est vrai que en ligne, c'est encore plus bourrin, enfin, je veux dire, c'est la même chose, quoi. Je veux dire, les gens... voilà. Mais j'ai vu des gars, déjà, qui avaient trouvé des techniques pour camper et tout ça. Genre, ils utilisaient le bar ou je sais pas quoi. Mais, enfin, bref. Voilà, donc, ça dure combien de temps? 5 minutes, c'est ça? Ouais. Ok. Hey, il a allongé comme une pute, là-bas, là. Hein, monsieur, qu'est-ce qu'il fait, là? Ça par contre c'est nickel hein, qu'ils aient fait un système, tu vois, on voit à travers les murs. Ça c'est vraiment nickel. Ah bah Loulou. Ah bah oui, ah bah oui, et bah dernier survivant. Fin de partie, bravo. Ouais. Bravo, vous êtes trop bon. Bravo, vous êtes archi trop bon. Eh mais c'est toi qui as gagné en fait. Eh bah oui. Merci. Eh bah il est franchement sympa hein. Une petite partie comme ça, c'est pas trop long. Ouais. C'est franchement marrant, genre vraiment bourrin et tout, et puis c'est assez dynamique, c'est pas comme le zombie qui peut paraître super lent au début, quand ouais. On est habitué en fait. Après c'est assez linéaire, je veux dire au bout d'un moment tu te lasses oui, quoi. Bah oui, tu dois te lasser assez vite, mais enfin c'est quand même marrant de temps en temps j'imagine. Ouais bah oui, tu m'étonnes, hein. Une petite détente quand t'en as marre et tout, enfin bon. Voilà, bah moi ça m'a bien plu de faire cette petite vidéo découverte avec ce diable de loup. Voilà. Bah pareil, au final on n'a pas parlé de Derise, mais c'est pas grave, on s'en fout, on aura l'opportunité de la map dans d'autres vidéos sûrement. Ouais, voilà, parce qu'on a, un petit peu un secret à chercher, si tu vois ce que je veux dire. Voilà, exactement, on sait déjà qu'il y a un secret, on est déjà sur quelques pistes. Donc voilà, on vous informera de tout ça en temps et en heure, bien sûr. Et puis en attendant, on vous dit à la prochaine. Voilà, attends, je vais faire une petite dédicace quand même à BGZ et Ananas, hein, parce que... Ah oui, 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 c'est vrai, qui ont bien voulu se faire victimiser par moi, qui est voilà. Gagné, qui... Oui, c'est bon, tu es le dieu des loups. Un génie, exactement, voilà. Voilà. Ah, mes filles, elles vont exploser. Allez, salut tout le monde. Allez, salut.